Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, et oui, on est le mardi 18 mai 2021, 9h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal et ça va aller encore plus mal, mais ça va revenir à la normale, mais avant qu'on se reprenne, comme on dit par chez nous, hein, qu'on puisse retrouver le rythme qu'on avait avant la pandémie, ça va prendre beaucoup de temps. Avant que les gens de la classe moyenne puissent se remettre du choc économique qu'elles ont eu, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, on vit des moments uniques, fantastiques dans l'histoire. Et ce sont ces fameuses admissions, hein? Du Pentagone, entre autres, concernant les observations d'OVNI ou de phénomènes aériens non expliqués, et c'est partout maintenant. Hier, je regardais presque toutes les chaînes nationales et câblées américaines, et on en parlait, en tout cas, on en parlait sur toutes les chaînes. On ne parlait pas que de ça, mais on en parlait abondamment. Chose qu'on ne faisait pas avant, c'était tabou. Pas que ces phénomènes-là n'existaient pas, mais on n'osait pas trop mettre son nez là-dedans pour ne pas passer pour un wacko, hein, un illuminé avec un petit chapeau en papier d'aluminium avec deux antennes. Mais ça, c'est révolu ce temps-là. Il y a encore des zigotos qui font dans le n'importe quoi, mais c'est devenu un sujet très sérieux. Ça peut être un sujet de sécurité nationale pour plusieurs pays, mais c'est des observations qui sont faites dans le monde entier. C'est pas seulement aux États-Unis et avec l'armée américaine. C'est vraiment au niveau international. Et comme on le mentionne dans toutes ces émissions-là ou dans tous ces articles, c'est un peu comme je vous le dis depuis longtemps, aujourd'hui, la modernité fait en sorte que chacun d'entre nous, sauf moi parce que j'en veux pas, parce que je veux garder ma liberté, mais l'ensemble de la population mondiale, a un téléphone portable qui peut être transformé en appareil photo ou même en caméra vidéo instantanément. C'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de ces documents. Des fois, c'est certain que c'est pas évident d'identifier ce qu'on est en train de filmer parce que la qualité n'est pas là, mais il y a de plus en plus. Beaucoup au Mexique sont faits de ces observations, mais partout dans le monde. Donc, on fait face à un phénomène répandu. Tu pourrais même penser des fois à tous ces couvre-feux qui sont appliqués dans le monde entier, hein? Comme ici, à 8h30 dans certaines régions, 9h30 dans d'autres, et presque l'ensemble de tous les pays ont subi des couvre-feux avec la pandémie. Si tu es moindrement paranoïaque, tu pourrais même penser, est-ce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait moins de monde dehors possible pour qu'il y ait moins d'observations possibles? Mais ça, en vous disant ça, je régresse. Mais ça peut t'effleurer l'esprit. Parce que c'est normal, des fois, d'être ou d'avoir l'esprit un peu vagabond et qui a ce genre de pensée. Tout le monde en a, sur plusieurs sujets. Parce que l'esprit, c'est une de ses caractéristiques, et jamais en repos. Hein? Puis on a toujours quelque chose qui nous passe par la tête. Et ça, c'est une des choses qui m'est passée par la tête. Mais c'est du n'importe quoi, peut-être, comme c'est peut-être pas du n'importe quoi. Mais on a le droit d'avoir ces pensées-là, mais il ne faut pas partir en peur puis en faire une réalité quand tu n'as aucune preuve de quoi que ce soit. Mais on peut aussi, des fois, tirer des conclusions dans ce genre de situation-là, parce qu'on est en pleine divulgation, en pleine acceptation de ce phénomène-là, et c'est spectaculaire. Imaginez-vous, dimanche, l'émission 60 Minutes, qui est quand même pas n'importe quoi, c'est une émission qui existe depuis des décennies, très sérieuse, s'est penchée sur ce fameux sujet anciennement tabou. Hein? Et Bill Whitaker rapporte les observations régulières de phénomènes aériens non identifiés qui vont susciter un rapport devant le Congrès le mois prochain déjà. Les ovnis régulièrement repérés dans l'espace aérien américain restreint rapport sur les phénomènes prévus le mois prochain. 60 Minutes.
Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Nous avons abordé de nombreuses histoires étranges sur 60 Minutes, mais peut-être aucune de ce genre. C'est l'histoire de la reconnaissance et de la réticence du gouvernement américain de parler de ces phénomènes aériens non identifiés, plus communément appelés OVNI. Après des décennies de déni public, le Pentagone admet maintenant qu'il y a quelque chose là-dedans et le Sénat américain veut savoir ce que c'est. Le comité du renseignement a ordonné au directeur du renseignement national et au secrétaire à la Défense de remettre un rapport sur les mystérieuses observations le mois prochain. Donc, Bill Whitaker, qui était avec, entre autres, Lou Elizondo, hein, tout le monde le connaît, et qui a travaillé aussi sur le programme OVNI, mais secrètement avec le Pentagone. Donc, vous me dites que les OVNI, les objets volants non identifiés, sont réels. Lou Elizondo de répondre, « Bill, je pense que nous sommes au-delà de cela. Le gouvernement a déjà déclaré, pour le compte-rendu, qu'ils étaient réels. Le gouvernement des États-Unis vous le dit. » Louis Elizondo a passé 20 ans à diriger des opérations de renseignement militaire dans le monde entier, en Afghanistan, au Moyen-Orient et à Guantanamo. Il n'avait pas réfléchi aux OVNI avant 2008. C'est alors qu'on lui a demandé de rejoindre quelque chose au Pentagone, appelé le Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. Et on le voit ici, Louis Elizondo. La mission, Louis Elizondo nous dit, de l'AATIP était assez simple. On était là pour collecter et analyser des informations impliquant des véhicules aériens anormaux, ce que je suppose dans la langue vernaculaire que vous appelez les OVNI, nous les appelons les UAP, les phénomènes aériens non identifiés. Bill Whitaker, qui lui demande, vous savez comment cela sonne? Ça sonne un petit peu dingue et farfelu. Donc, Elizondo de répondre, écoute, Bill, je ne suis pas et je ne te dis pas ça, que ça n'a pas l'air farfelu. Ce que je vous dis, c'est que c'est réel, que ça ait l'air farfelu ou non. La question est, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les intentions des gens derrière ça et quelles sont ces capacités de ces véhicules-là? Donc, il y a eu une dernière aussi, vidéo, filmée encore là par un membre de la marine, je pense. Et c'est cette fameuse vidéo où on voit un objet qui est filmé et le Pentagone a confirmé que c'était filmé par un de ses membres de la marine. Et cet objet-là est vu, filmé, et vu s'en aller disparaître dans l'eau. Donc, c'est assez fascinant. Enterré dans le Pentagone, l'AATIP faisait partie d'un programme de 22 millions de dollars parrainé par Harry Reid, alors chef de la majorité au Sénat, pour enquêter sur les OVNI. Lorsqu'Elizondo a pris la relève en 2010, il s'est concentré sur les implications pour la sécurité nationale des phénomènes aériens non identifiés documentés par les membres du service américain. Elizondo aussi affirme que le Pentagone a entre ses mains des débris de certains de ces objets-là et que c'est d'une technologie inconnue et qu'il est, il est convaincu de ça et que ça lui a été confirmé que le matériau que le Pentagone a entre ses mains, c'est inconnu des forces américaines et des scientifiques américains. Imaginez une technologie qui peut faire de 6 à 700 force G, passer de 6 à 700, qui peut voler à 13 000 milles à l'heure, qui peut échapper au radar et qui peut voler à travers l'air et l'eau et éventuellement l'espace. Et au fait, n'a aucun signe évident de propulsion, hein? Pas d'aile, pas de réacteur, pas de surface de contrôle et peut encore défier les effets naturels de gravité terrestre. C'est précisément ce que nous voyons. Et Elizondo nous a dit qu'à l'AATIP, était un mélange lâche de scientifiques, d'ingénieurs et lâche libre d'ingénieurs électro-optiques, d'experts en avionique et en renseignement, travaillant souvent en temps partiel. Ils ont passé au peigne fin les données et les enregistrements et ont analysé des vidéos comme celle-ci. Un équipage de la marine a du mal à se verrouiller sur un objet en mouvement rapide au large de la côte atlantique américaine en 2015. Et là, on raconte toutes les histoires dont je vous ai déjà parlé. Je vais vous laisser le lien, vous irez continuer ça. C'est hallucinant. Comment c'est spectaculaire. Est-ce que c'est des technologies russes, chinoises? Est-ce que c'est des pays ennemis? Ça pourrait être une possibilité. Le sénateur Mark Rubio de la Floride
lui attend beaucoup de ce rapport-là parce qu'il dit c'est inquiétant, c'est une question de sécurité nationale. Il dit j'aimerais presque mieux savoir que ça vient d'extraterrestres que de nos ennemis, que nos ennemis aient en leur possession une technologie qu'on ne connaît même pas. Donc, c'est fascinant. Et il y a eu d'autres, et c'est plein de ces histoires-là. Je vous laisserai les liens de ça dans la boîte de description. On vit des moments vraiment, vraiment spectaculaires. Bougez pas, j'en ai d'autres à vous raconter.